cœur sacré, Sacré-Cœur. Je suis Kim Mike, le voyageur immobile, l'observateur tranquille. Pour partir en voyage, descendez du métro et venez nous rejoindre. Ici, à la Goutte d'Or, il y a tellement d'histoires. Il suffit d'ouvrir bien grand les yeux et les oreilles. Elle est où, la grille ? Laissez-moi passer. Hey, vous pourriez vous excuser. Pas le temps. C'est charmant. Oh, il a disparu. Qui? Ma bobine de fil. Dans la rue? Bah oui. Bah allons-y ensemble, moi je cherche une poule. En ce qui me concerne, je suis très bien en solo, monsieur. Eh, hey, pardon du quiproquo, je parlais pas de vous, mais de l'animal. Ah. Je prenais pas mal. On se connaît? C'est vrai. Il est par là, votre atelier de couture? Ah non, ici je viens de livrer. Je suis dans la vie culture. Et la couture, c'est pas votre métier? Ah non, moi je suis volailler. Bah alors tous ces fils et ces rubans, vous en achetez tant? Alors on fait pas ce qu'on veut forcément. Ah! Oh pardon! Tu vas faire attention! C'est Lily con! Tête de con! Soyez poli! Je vous ai fait mal. Pas touche! Prenez pas la mouche! Vous aussi, vous auriez pu regarder devant vous. Vu de ça, vous marchez en vous tordant le cou. Oui, c'est parce que je cherche une casquette. Hein? Elle a pris la poudre d'escampette? Non, un coup de vent l'a emportée et elle doit être bien loin l'heure qu'il est. La chance? Moi, c'est demain. Quelle impatience, vous quittez la France? Ouais. D'ailleurs, ça vous dirait de venir avec moi? Demain, j'embarque sur un cargo. Je peux pas, j'ai une audition. Vous chantez? Bah, non. Vous dansez? Ah, vous ne rien vous cacher. Du hip-hop, j'imaginais, avec votre dégaine. Mais pas du tout, monsieur, je sais tout. De la danse contemporaine. Ah bon? D'ailleurs, je cherche un costume de scène. Oh, une casquette. Elle est chouette.
Bah, mettez-la sur votre tête. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Rien, je regarde vos épaules. Vous faites penser à une poule. Bah, vous avez de ces comparaisons. Non, mais regardez, là, il y a vraiment une poule. On peut pas la laisser. Bah, je vais l'attraper. Je l'emmène. Où ça, à la SPA ? Bah, je sais pas, on verra. Elle a peut-être un propriétaire. Qui va la mettre au four avec des pommes de terre. Mais voulez-vous taire ? Ça vous va bien, ces plumes. C'est un compliment, je présume ? Mais vous cherchez un costume de scène. Prenez cette poule, on dira Goa. Vous entendez ? Ça vient de ce côté ? Ça vous va bien, hein ? Ça vous donne du chien. Je vais la customiser. Avec un galon d'or, ça sera parfait. Eh ben, j'ai du galon de Chandernagor à gorge, je vous en donnerai. Merci, c'est gentil. Eh, dis donc, votre poule ! Alors qu'il est, elle a dû se faire écraser. Oh, ça serait pas cool. Je vais mettre une annonce. Et votre fille ? Bah, j'y renonce, c'est trop difficile. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Rebrousse chemin ? Oh non, je sors pas souvent, toujours avec mes rubans. Vous entendez ? Cette musique ? C'est romantique. On y va ? Je suis l'oiseau Bruno, sans nier, sans raison. Mon sac me colle au dos, j'ai fini ma saison. Toujours un pied en l'air, j'embarque sur un carreau. Demain je prends la mer, à moi Valparaiso. Une gazelle du quartier, mon cœur a attrapé. On avait ce projet, mais elle a renoncé. En me quittant un soir, place de l'Assommoir, j'ai une place à offrir à votre joli sourire. Sans pareil, ouvrez bien grand les yeux, les oreilles. Entrez par Suez ou Panama, larguez vos amarres. Ah.
l'aviculture, je préfère la couture. Léon tailleur pour dames s'inspire du macadam. Derrière ma basse cour, quand vient la fin du jour des patrons, je dessine sur des bouts de feutrine une robe, un bustier, une jupe ou un chemisier. Je fabrique sans modèle, mais mon cœur bat pour celle qui un jour portera l'une de mes créations. Un vrai grain de beauté, pas un galinasse.